Entre Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre, tout roule. Dans l'émission Vivement Dimanche, animée par Michel Drucker ce dimanche 14 janvier 2024, la compagne de l'animateur est revenue sur leur première rencontre et a fait une révélation très étonnante. Sur le plateau de son émission phare Vivement Dimanche, Michel Drucker a l'habitude de recevoir de nombreuses stars pour le plus grand bonheur de ses fidèles téléspectateurs. Ce dimanche 14 janvier 2023, l'époux de Dany Daval a invité sur son emblématique canapé rouge Jean-Luc Reichmann et sa compagne de longue date, Nathalie Lecoultre. Bientôt à l'affiche de la pièce Le Bracelet aux côtés d'Isabelle Mergault, le comédien était heureux d'évoquer son actualité. Face à la caméra, les tourtereaux ont naturellement répondu aux multiples questions du célèbre animateur. À la tête d'une joyeuse tribu recomposée, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre semblent s'aimer comme au premier jour. Inséparables et complémentaires à la maison, ils le sont aussi au travail, notamment pour mettre en boîte la série Léo Mattei. Pour la petite anecdote, l'animateur phare des 12 coups de midi a rencontré sa moitié sur un plateau de tournage, quand il jouait dans Victor Sauvage, a souligné Nathalie Lecoultre. « Vous avez été sensible à sa voix tout de suite ?» s'est ainsi interrogé Michel Drucker. « Pas qu'à sa voix », a lâché sans filtre son interlocutrice. Amusé et un brin gêné, Jean-Luc Reichmann lui a alors glissé « Chut, ça va buzzer ». Cependant, lorsqu'elle a croisé la route de l'homme de sa vie, Nathalie Lecoultre ignorait totalement son identité. « Je ne le connaissais pas de la télé. J'ai donc tapé sur Google pour savoir avec qui j'allais travailler », a avoué la mère de famille amusée, ajoutant « Et c'est comme ça que j'ai vu que c'était Jean-Luc Reichmann, l'animateur, mais je ne le connaissais pas ». Une nouvelle révélation qui restera dans les annales.